Bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est nous avons la liberté de prendre nos propres décisions. Et nous avons des invités avec nous. Sylvain, Tatiana, bonjour. 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 Vous allez bien Oui, super. Vous nous venez tout droit de la région parisienne. Et vous venez pour nous présenter des box, des box et non de la boxe. Hier, il <laughs> y a eu un petit jeu de mots des boxes, la boxe chrétienne, très exactement. C'est euh, des, des cadeaux qu'on peut offrir, c'est ça, sans tout dévoiler. Oui, oui, c'est vraiment une box qu'on peut qu'on peut offrir et beaucoup d'autres choses. Et beaucoup d'autres ouais. choses. Donc, vous allez nous expliquer tout à l'heure avec toi, Nadine. on va regarder tout ce qu'il y a à l'intérieur, des très très belles choses, et une box qui a plus que ce qu'on peut penser. Waouh La suspense <laughs> est installée <laughs> sur le plateau. Le boxing day. Oh wow. Le roi du jeûnement est avec nous. <laughs> Chérie, tu vas répondre à une question. Dans Baster, j'ai une question. Comment être sûr de toujours prendre les bonnes décisions J'espère que tu as pris la bonne décision, en tout cas en répondant à cette question. On verra. C'est une question de Cédric qui nous écrit de Suisse. Oh, bah bonjour à la Suisse Décidément, la Suisse est à l'honneur cette semaine. Hier, nous avons parlé de Louis II. Si vous n'avez pas vu cette émission, allez la regarder dans la rubrique Flashback qui est en Suisse. Et puis on a Cédric de Suisse. Mm -hmm. Et euh, donc aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de prendre les bonnes décisions dans notre vie. Nous savons que notre vie est faite de décisions et que nos décisions bah, impliquent des conséquences. Et on va voir euh, avec toi, Jonathan, euh, quelles sont ces décisions à prendre, comment bien les prendre et qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre comme décision également. On en parle tout de suite dans la pensée du jour. Alors le but de ma pensée aujourd'hui n'est pas de lancer un débat théologique, mais tout simplement de nous poser la question où allons-nous Où est-ce que vous allez Vous avez, vous savez, avec trois filles à la maison, j'ai déjà vu quelques films de filles, et je me souviens d'une réplique, une réplique où une femme blonde, je ne sais pas pourquoi elle était blonde, mais enfin en tout cas, une femme blonde disait, mais ne te plains pas de la coupe de ton coiffeur. Si ton coiffeur a raté ta coupe de cheveux, parce que tu étais là, présent, quand il t'a massacré les cheveux, tu l'as vu dans le miroir et tu l'as laissé faire. Donc quelque part, bon, on va revenir à des choses plus sérieuses. Mais revenons avec le même concept dans la Bible en disant, tu as le choix. C'est pas quelque chose que tu subis. C'est pas quelque chose qui t'est imposé. Il y a un choix. Dans le psaume 129, tu peux dire avec le psalmiste. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. Qu'Israël le dise. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Alors, si le psalmiste pouvait dire Qu'Israël le dise, eh bien, on peut mettre euh, votre prénom à cette place. Dites-le vous-même aujourd'hui. Ils m'ont assez opprimé, c'est fini. Et vous avez un choix à faire aujourd'hui de dire, je n'ai plus à subir, je n'ai plus à être là, me présenter comme une victime, mais j'ai un choix, le choix de la liberté, le choix de, de, de la victoire, d'une certaine manière. Premièrement, il faut comprendre que tu n'es plus un esclave et tu n'as plus à vivre comme un esclave. Jésus a payé le prix de la rançon de ta liberté. L'ennemi n'a plus de pouvoir sur ta vie, alors tu as le choix de lui dire non et tu as le droit de lui dire non et de ne pas te laisser tromper par ses mensonges. Assez, c'est assez. Deuxièmement, ce ne sont pas les circonstances, les rumeurs, les mensonges, le regard des autres, les paroles trompeuses qui dirigent ta vie. Crois plutôt ce que Dieu déclare sur ta vie. Tu es une créature merveilleuse et là tu as le choix. Tu as le choix et tu dois choisir aujourd'hui de croire ce que Dieu dit de toi, de, de croire ce que Dieu veut pour toi. Tu n'es pas une marionnette qui te laisse manipuler par celui qui a de mauvaises intentions. Tu es un enfant de Dieu et tu as le choix aujourd'hui de croire ce que dit Dieu sur ta vie. Troisièmement, choisis la vie. C'est un choix, mais fais le bon choix. Choisis la vie, évidemment. Je fais référence ici à Deutéronome chapitre 30 verset 29, où il y a cette grande déclaration de Dieu au travers de Moïse au peuple. Il dit, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, mais choisis la vie. Et euh, j'aimerais aller au verset d'après, au verset 20, il dit, Ben, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui. Et des fois... Euh, pour rester dans le pays promis, parce que c'est ça la promesse ici, pour demeurer dans le pays promis, Israël ne devait pas simplement obéir, s'attacher et aimer, ce sont les trois verbes qui sont là, mais il devait, premièrement, choisir. Mm -hmm. Tout commence par un choix. Tu dois aujourd'hui choisir. Donc tu as le choix de te laisser faire, de laisser faire, de laisser les choses aller comme ça, ou alors de dire, c'est assez et de prendre une autre posture, non pas celle d'une victime, mais celle d'un vainqueur. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8, où là, il va donner toute une liste de choses assez catastrophiques, mais il dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Ça, c'est son choix. Il sait que en Dieu, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges ni les dominations ni les choses présentes ni les choses à venir ni les puissances ni la hauteur ni la profondeur ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors aujourd'hui, simplement, ne crois pas le mensonge que tu subis ce que tu es ou tu subis ce que tu vis, mais tu as le choix de vivre autre chose, de croire ce que Dieu dit et de vivre ce que Dieu dit. Mmh. Mmh. Amen, amen. Et ouais. si seulement tout le monde comprenait ça, à quel point ces décisions sont importantes et que justement on n'est pas en train de subir euh, ce que la vie nous envoie ou autre. Euh, J'ai dernièrement euh, une, une amie à moi qui malheureusement a subi un deuil euh, vraiment euh, euh, qui a été euh, très violent, inattendu dans, dans sa vie. Et quelques semaines auparavant, j'avais vu sur Facebook qu'elle avait publié euh, Ce qui doit arriver arrivera. Cette espèce de fatalité où on ne peut rien faire, on n'est pas au contrôle. Alors bon, il y, y a bien sûr beaucoup de choses qu'on ne peut pas contrôler, hein, mais euh, notre vie est faite de ces décisions où on doit choisir la vie, comme tu le disais. Et on est très souvent, en fait, on pense que ce choix entre la vie et la mort, il est une fois devant nous au moment de notre salut et c'est tout. Mais en réalité, on se retrouve devant ce choix régulièrement quand on choisit de ne pas pécher, quand on choisit de faire ce qui est bien, de faire la volonté de Dieu, etc. On choisit la vie à chaque fois. Et notre vie, en fait, est faite de toutes ces décisions qui vont faire qu'à la fin, en bout de ligne, mais on va être rentré dans les plans de Dieu parfaits pour nous ou pas. Alors, merci Seigneur, on a le droit de se tromper, on peut faire des détours, on peut parfois tourner en rond un moment, mais l'important, c'est qu'on revienne toujours sur la bonne décision, sur la bonne voie pour, pour aboutir. Et ça, ça change tout. Notre verset du jour, qui est dans Ésaïe 48 au verset 18, dit, si seulement tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait pareille à un fleuve et ta justice se propage comme les vagues de la mer. Alors c'est certain que les commandements du Seigneur, dans sa parole, on a plein d'informations quand même qui nous aident pas mal à prendre les bonnes décisions. Ce n'est pas comme si on était lâché comme ça complètement euh, au hasard. Et Jonathan, on a quelque chose que peut-être certains ne connaissent pas très bien ce que ça signifie, ce libre arbitre, ce libre choix que Dieu nous a donné. Pourquoi Dieu en fait nous a laissé libres comme ça de faire, de prendre nos propres décisions finalement en fait, tout simplement parce qu'il nous aime. Et ce libre choix, on l'a depuis le début de l'humanité jusqu'à la fin. Et il suffit d'aller dans le jardin d'Eden et dans la Genèse ici, Dieu dit ben voilà, tu as le choix. Tu peux, tu peux manger de tout, sauf d'un seul arbre. Mais Dieu aurait très bien pu construire une muraille autour de cet arbre, mettre un mur de feu mettre des anges avec... Euh, bon, ça, ça s'est fait à d'autres endroits hein, pour empêcher d'entrer. Des électrique barbelés électriques, ça une fosse. Ouais, <laughs> euh, pour empêcher d'entrer ou pour être sûr qu'il il pas ne euh, vont pas toucher à, mm -hmm. à cet arbre-là ou mm -hmm. tout simplement faire en sorte que l'arbre soit en Australie et non pas euh, dans le jardin d'Eden. Effectivement. Si bon. ah, on suppose que l'Australie est loin du jardin d'Eden, <laughs> mais ça c'est une autre question. Ça, c'est une question de géographie céleste. Hein. On, on, on en reparlera. <laughs> on en reparlera. Mais donc Dieu volontairement, parce que Dieu nous a fait à son image, mm -hmm. nous laisse ici dans un et, et c'est c'est toute une question d'amour. Dieu est amour. Si Dieu ne nous aimait pas, il nous imposerait toutes sortes de choses. Mais parce que Dieu nous aime, il nous laisse dans cette liberté, même si ça coûte et même si ça fait mal. Quand on laisse à quelqu'un le libre choix, quand on laisse à quelqu'un euh, la possibilité de choisir et qu'il prend pas la bonne décision ou celle que l'on aurait voulu ou celle que que l'on sait être la bonne, mm -hmm. eh bien, ça peut faire mal et ça peut faire souffrir. Mais on a laissé le choix à cette personne par amour. Exactement. Je pense qu'en tant que parent, on peut savoir à quel point c'est important de laisser euh, nos enfants prendre les bonnes décisions, euh, pas tout décider pour eux. Au bout d'un moment, ils grandissent. Ah, ils mes filles décider. ont choisi euh, leurs époux. Je n'ai pas choisi pour eux. <laughs> bon. Non c est c est bon. Ouais, Même si je peux le mettre. <laughs> 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 mais par contre... Tu leur as apporté quand même un cadre. Tu as montré un certain exemple. Tu... Donc c'est ça. Dieu nous dit les choses. On connaît. Il nous donne ses commandements. Il nous donne sa parole. Mais il nous laisse choisir. Et là, c'est là que notre propre volonté intervient et qu'on doit prendre les bonnes décisions. Mm -hmm. Et ce que passant Jonathan a dit dans sa pensée, c'est tellement puissant parce que vous savez, des fois, il y a des personnes qui se disent que moi, j'ai pas le choix parce que je suis dans un certain contexte, les décisions ont été prises pour moi à l'avance, et je ne fais que subir les décisions, je ne fais que sub subir les conséquences de la façon dont mon gouvernement est fait, ou les conséquences de la façon dont ma famille est faite, des fois les conséquences même de... Je suis une fille, je suis née dans une famille qui ne valorise pas peut-être les filles, donc du coup, toute ma vie est le, le résultat, la résultante un peu de tous ces choix qui ont été faits avant de ma part. Mais comme le, le, le passant l'a dit, c'est que parce que nous sommes nés de nouveau, nous avons... D'abord, de, de, déjà à la base, nous avons ce libre choix, mais parce que nous sommes nés de nouveau, devons comprendre conscience que non seulement nous avons ce choix, mais il y a Dieu qui est derrière, qui est en train de nous de, de, de valider les choix que nous faisons, parce que ces choix ne sont pas faits selon notre propre raisonnement, mais c'est commandements, un peu comme un parent avec son enfant, je t'enseigne te, je, je, je bien, je t'éduque bien, je te donne les bonnes valeurs, de manière à ce qu'après, quand tu prends tes décisions, c'est des bonnes décisions parce qu'elles sont prises de par ce que j'étais enseigné. Et de la même manière, la Bible, la parole de Dieu est là pour nous guider. Elle est là quand on la médite et quand elle vit en nous. Lorsqu'on on a vraiment intégré ce que la parole nous apporte, on est en ce moment-là en mesure de prendre des, bo des bonnes décisions. Et l'apôtre Paul disait aux chrétiens de Thessalonique que... De, de ne pas se conformer, de ne pas vivre comme les païens. Donc, tu peux vivre dans un milieu qui est très toxique ou qui est dysfonctionnel, mais toi, tu prends des bonnes décisions. Et lorsque tu prends des bonnes décisions, comme il a dit à ces chrétiens-là, ben que vos progrès soient évidents de tous. Oui. Et vraiment, en tant que chrétiens, quand ce que nous marchons, et si nous, nous pouvons voir une progression dans notre façon de faire, dans notre, dans même le témoignage que les gens peuvent dire de nous, c'est là que nous savons vraiment que nous mettons nous utilisons de la bonne manière cette liberté, ce libre choix que Dieu nous donne. Enfin. Mmh, amen. Ça. Il ne faut pas se tromper de religion. Dans une certaine religion que je ne citerai, que je ne vais pas citer, mm -hmm. on aura tendance à dire Inch'Allah. Oh. <laughs> oh, on voit pas de quoi tu parles. <laughs> de... euh... On est là dans le bouddhisme, évidemment. <laughs> C'est-à-dire que dans une fatalité, de ouais. dire bah, Ça arrive, ouais. parce que ça arrive oui, comme ça arrive, sous-entendu de... même, c'est Dieu qui a voulu ouais. que ça arrive ainsi. Mais tout ce qui arrive, ce n'est pas Dieu qui a voulu que ça arrive ainsi. Mm -hmm. Et alors, on a le choix d'accepter d'une manière fataliste ou même... Euh, avec beaucoup de misérabilisme et de dire, ah, pauvre de moi, peu à la calimero, hein. mm -hmm. ou, ou alors de dire, ben non, je le refuse, c'est pas la promesse que Dieu m'a donnée, c'est pas ce que je lis dans ma Bible, c'est pas ce que j'ai. C'est pas le Dieu que je connais, c'est pas ce qu'il m'a promis, mmh. j'attends autre chose et tu as le choix. Et là c'est un choix à prendre. c'est une position de dire ben soit je fais rien, puis je laisse faire, puis je subis, soit je dis non non moi c'est pas la mort, c'est pas la malédiction, c'est pas telle ou telle affaire sur ma vie. C'est ce que Dieu a dit et je choisis de le croire. Comme Abraham qui a cru contre toute espérance, ouais. je crois même si je vois pas, mais je ne marche pas par la vue, je ouais. marche par la foi. Ouais. Je crois ce que Dieu dit et je, je choisis de croire, je choisis de recevoir et c'est comme ça que on rentre dans le pays promis. Exactement. Et, et le peuple de Dieu qui était le peuple élu pourtant euh, a eu à choisir Élie. Hein, euh, euh, les a mis, les a confrontés devant ah. un choix avec les prophètes de Baal. C'est ça, à plusieurs reprises. Hein, à plusieurs reprises, il dit, bon, bah, il faut choisir, là, mm -hmm. jusqu'à quand vous allez clocher mm -hmm. des deux pieds, c'est soit c'est Baal, soit c'est Dieu. Hein. Mm -hmm. Bon, alors, ils n'ont pas, pas répondu. Mais quand le feu est tombé du ciel, <laughs> ils c'est clair. C'est qui est Dieu, il y a pieds, Dieu. <laughs> Alléluia. C'est Et puis, c'est... C'est a... fort ce <laughs> moment-là, entre parenthèses. C'est ça, c'est arrivé plusieurs Fight. fois même. même Josué, quand, quand ils sont arrivés dans le pays promis, il dit, ben écoutez, et il dit, et c'est quand même assez spécial la tournée de phrase, il dit, si vous trouvez bon de servir l'Éternel, bon, il dit, si vous trouvez que c'est bien de, de, de servir Dieu, eh bien, choisissez, mais c'est le mot qui est là, choisissez aujourd'hui. Qui vous voulez servir Il ne dit pas, vous êtes le peuple de Dieu, vous devez obéir à Dieu. Il ne dit pas, vous êtes le peuple de Dieu, vous devez, c'est la loi. Et puis là, regardez, il y a eu euh, Jéricho, il y a eu ceci, il y a eu cela. Maintenant, vous êtes obligés, après tout ce que Dieu a fait pour vous, vous êtes obligés de le servir. Non, Jésus a dit, choisissez. Ouais. Et il y a un choix à faire. Je choisis de servir Dieu, je choisis de marcher dans ses voies. Et c'est la première étape. Alors, une fois qu'on a choisi... Et bien ensuite, on obéit, mmh. on met en pratique, euh, on aime, mais on choisit en début. C'est ça, on choisit de, de continuer à marcher sur la bonne voie en fait. Et c'est là tout, tout le, le défi parce qu'on pourrait croire qu'une fois qu'on a pris cette bonne décision de dire c'est l'éternel qui est Dieu, c'est suffisant. Mais on l'a vu justement avec le peuple d'Israël que ça n'a pas suffi, qu'ils ont dû reprendre la décision plusieurs fois parce qu'ils revenaient souvent en arrière. Et nous, on a tendance à faire ça malheureusement. On revient en arrière. On retourne dans des mauvais choix, dans des mauvaises choses, on retourne avec de mauvaises relations, on persiste avec de mauvaises relations. Et, et, et c'est ça qui est terriblement problématique, parce qu'on tourne en, en rond dans notre vie. Et aujourd'hui, on a cette possibilité, comme tu le disais, euh, avec ton exemple de, du merveilleux film, avec cette blonde qui a fait cette réflexion géniale, mais c'est hyper fort quand même, oui. c'est vrai c'est vrai, le coiffeur est en train de te massacrer les cheveux, pourquoi tu lui dis rien Le diable est en train de te démolir mmh. et en train de te faire te pousser dans des mauvais choix, pourquoi ouais, tu te après, laisses faire Et après tu te plains. Ouais, oui. Tu te dis, ah qu'est-ce qui m'arrive Pourquoi j'ai tel problème Pourquoi j'ai telle chose, et telle chose dans ma vie Mais tu as laissé faire. C'est ça. Exactement. Mais moi, j'ai une pensée, en fait, parce que quand on parle de nous avoir la liberté de prendre nos propres décisions, j'ai une pensée pour des personnes qui ont pris des mauvaises décisions mmh. et qui se retrouvent maintenant dans se dire, ben bah, oui, j'ai pris, oui, j'ai utilisé cette liberté, ah, oui. mais cette liberté m'a coûté parce que là, je suis dans une situation vraiment difficile mmh. ou euh, sans, euh, catastrophique. Mais la Bible dit, c'est dans chronique 7, verset 14, qui dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, voilà, après il cherche ma face, c'est détourner ses mauvaises voies et tout mmh. ça. Et la repentance, c'est vraiment clé. Si vous vous rendez compte que oui, vous avez pris des décisions, vous avez utilisé votre libre arbitre, un peu mmh. comme un enfant à qui ses parents lui ont donné tout et qu'il a, il a dilapidé ce mmh. que les parents lui ont mmh. donné, vous avez utilisé votre libre arbitre à tort. Mmh. Il n'est jamais trop tard de se repentir. Et se repentir, c'est pas juste dire Seigneur, pardonne-moi, mais je délaisse. Je délaisse cette relation, je délaisse cette façon de vivre, je délaisse telle chose, telle chose, et le Seigneur vous fortifie. Et c'est peut-être c'est un, un long processus. Si vous avez pris 15 ans pour détruire votre vie, peut-être ça ne va pas prendre 15 minutes. Peut-être ça va prendre d'aller retourner voir des personnes à qui vous avez offensé pour demander pardon. Peut-être ça va prendre de retourner aux études parce que vous avez abandonné vos, vos études. Peu importe le domaine dans lequel vous, vous, vous avez des difficultés en ce moment parce que vous avez pris des mauvaises décisions dans le passé, si vous vous repentez d'un cœur sincère, Dieu est toujours là pour nous soutenir, il est toujours là pour nous relever et il restaure encore aujourd'hui, Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Mmh. Il faut comprendre que cette liberté, c'est pas la liberté de faire tout et n'importe quoi. Mmh. Et que si on comprend qu'on a un choix et que l'on réalise l'importance de ce choix, on va demander à Dieu sa sagesse, mmh. son conseil. Et il est le premier à dire, si tu as... Si tu ne sais pas quoi choisir, demande-moi, je vais t'aider. Oui. Et il va nous aider dans nos choix. Vous savez, des fois, il y a. Je ne sais pas si. Je ne pense pas que ça arrive chez Nadine, mais en tout cas, ça n'arrive pas dans mon couple. Vous savez, l'épouse qui dit à son mari Mais tu fais toujours des mauvais choix. Et, et le mari lui répond Mais je t'ai choisi. <rire> bon. <rire> Comme quoi, c'est n'est pas toujours des mauvais choix. Mais, mais maintenant, après, ce n'est pas dire je choisis ça parce que j'ai envie, mm -hmm. mais c'est de dire Seigneur, aide-moi à faire mm -hmm. les bons choix. Mm -hmm. Et si on demande à Dieu de nous aider à faire les bons choix, si ces mm -hmm. choix sont éclairés par sa parole, conduits par l'Esprit de Dieu, ben, je pense qu'on euh, ne va pas répondre à un pasteur qui a une question. <laughs> que J'allais dire. <laughs> Non, on, on, on met la table, on met la table. Ouais. La réponse. Il me permet de faire une transition oh. parfaite. Ouais. Justement, Jonathan, ah, oui. on veut faire les bons choix. Ça tombe bien. Mais comment faire les bons choix <laughs> Chérie, donc on a dit, tu vas répondre à une question de Cédric de Suisse qui a demandé très exactement comment être sûr de toujours prendre les bonnes décisions. Et là, toutes les oreilles sont grandes ouvertes parce mm. qu'on aimerait prendre toujours les bonnes décisions. C'est The Question. Est-ce que c'est possible déjà de prendre toujours la bonne décision euh, Je dirais que non, ce n'est pas possible de toujours être certain de prendre la bonne décision. Mm -hmm. Et euh, c'est sûr que Jésus, lui, euh, dans son omniscience, ou le Père, les prendrait toujours. Mais nous, euh, on se trompe souvent. Mm -hmm. Alors. Euh, Bon, je vais répondre. Moi, Jonathan a déjà donné de bonnes pistes. Hein. Demander à Dieu, quand on est dans une situation difficile, dans la prière, sa sagesse. et Il nous donnera sa sagesse, mais souvent on demande. Les mois passent, les années passent, et on n'est toujours pas sûr, en fait. Et surtout, plus la décision est importante, plus c'est difficile à entendre justement la réponse de Dieu. C'est ça. Alors, je vais, je vais donner cinq conseils qui vont aider. Euh, alors. Déjà, je vais raconter une anecdote. C'est celle qui m'a beaucoup marqué, celle de Curie Blake. C'est un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Il a repris le ministère de John gilleck la continuité de son ministère. Et Curie Blake, c'est un peu le fils spirituel de Lester Samuel. Mm -hmm. Mais euh, sa première rencontre avec Lester Samuel a été particulière parce qu'il était tourmenté par deux questions. La première question qu'il avait, c'est comment être, comment savoir quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. La deuxième question qu'il avait, qui le tourmentait, c'est comment être sûr que ce que je fais est bien dans la volonté de Dieu. Mm -hmm. Alors, euh, il va voir Lester Samuel, il veut absolument lui poser ces deux questions. Il, il prend le bus, il arrive dans son bureau, il, il passe à secrétaire et quand il rentre dans le bureau de Lester Samuel, Lester Samuel l'arrête comme ça. Il dit il a un don spirituel en manifestation. Il lui dit vous êtes venu pour me poser deux questions, n'est-ce pas Et il dit oui, oui, oui. La première question, c'est vous voulez savoir comment savoir quelle est la volonté de Dieu pour ma vie Lis ta Bible. <laughs> c'est la réponse du Saint-Esprit, par un don spirituel. Et la deuxième question que vous avez à me poser, n'est-ce pas, c'est comment être sûr que ce que je fais est bien dans la volonté de Dieu. Alors là, Kublaki, il est estomaqué et il dit le Saint-Esprit te dit, mets en pratique ce que tu as lu dans la Bible. Wow, <laughs> et ça m'a ouais, tellement marqué, en fait, parce que c'est vrai qu'on. On se complique la vie bien souvent. Et je me souviens de ce que Dieu a dit à Josué. Josué avait une grande mission, une grande responsabilité. Moïse, son temps était terminé. Il fallait conduire ce peuple qui avait été rebelle à Canaan. Il fallait prendre les bons choix. Il fallait gérer des millions de personnes. Waouh, la responsabilité. Et Dieu va donner à, à Josué le meilleur des conseils dans Josué, chapitre 1. Et il va dire médite ce, ce livre, le livre de la loi, jour et nuit, qui ne s'éloigne pas de ta bouche. Afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, agir fidèlement selon ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Donc, la, la, la parole de Dieu nous donne des, des règles, des principes, des lois euh, de marcher dans l'amour, aimer Dieu, aimer son prochain, de marcher dans la sainteté, euh, de mener une vie de prière, de, de marcher dans l'intégrité. Et, et c'est ce que euh, Dieu dit à Josué connais ce que je dis dans ma parole afin qu'elle t'aide à prendre les bonnes décisions. Et après, Dieu continue, il dit, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. En gros, Dieu n'est pas dans le détail, il est dans le cadre. Il lui met un cadre. Il dit, tant que toi, tu obéis à ma voix, tant que tu restes dans mes voies, sache que je serai avec toi. Et des fois, on se prend vraiment trop la tête, et on doit se dire que si... On doit avoir foi que Dieu est avec nous dans tout ce qu'on entreprend tant qu'on reste dans le cadre de sa parole. Donc euh, mon premier point est, est vraiment d'honorer la parole de Dieu parce que c'est elle qui est vraiment notre guide. Et tant qu'on est dans ce cadre, Dieu exprime sa volonté générale dans sa parole. Et si on la met en pratique chaque jour, on doit déjà être heureux. On doit déjà être satisfait de se dire waouh je suis en règle avec les commandements de mon Seigneur avec ce qu'il veut pour moi mmh. et, et avoir cette assurance que ben, finalement quoi que je fais tant que je reste dans sa volonté il sera avec moi et s'il mmh. est avec moi je prends une bonne décision mmh. parce qu'il est avec moi et dans tous les cas il va me réorienter mmh. donc c'est déjà super et des fois on se prend trop la tête mmh. franchement mmh. alors Dieu nous conduit spécifiquement nous dit la Bible à travers l'apôtre Paul que les enfants de Dieu sont conduits par l'esprit de Dieu mmh. mais là encore ce qui est super de voir, c'est que au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et l'esprit de Dieu se mouvait. On voit que l'esprit est toujours derrière la parole. Mm -hmm. Et Jésus a dit euh, que le Saint Esprit, le Paraclétos, soit notre consolateur, notre associé avec nous. Il nous conduirait, il nous guiderait. Et il dit euh, dans Jean 16, 13, pour nous conduire dans toute la vérité. Le Saint Esprit nous a été donné pour nous conduire dans toute la vérité. Et au chapitre suivant, Jean 17, Jésus dit ce qu'est la vérité. Il dit ta parole la vérité. Donc on voit que le Saint-Esprit collabore avec la parole de Dieu. Quand on dit être conduit par l'Esprit, finalement c'est être conduit par l'Esprit à travers la parole de Dieu. Amen. Donc il est là pour prendre la parole de Dieu et comme Jésus l'a dit, nous rappeler ce que Jésus a dit dans sa parole. Donc euh, la parole de Dieu est encore importante et la collaboration, le cocktail explosif Saint-Esprit, parole de Dieu, <laughs> ça fait vraiment des bonnes directions dans la vie. Mm. La, le psaume 119 qu'on connaît bien dit Ta parole est une lampe à mes ouais. pieds, mm. elle est une lumière sur mon sentier et parfois on est dans l'obscurité, le sentier on ne voit rien, c'est sombre, mais bah la parole de Dieu, le Saint-Esprit va nous parler à travers sa parole ouais. et il va prendre un verset et nous conduire et mettre de la lumière sur la situation. Ouais. Jésus dans le désert face à la tentation, il devait faire un choix. J'imagine que Satan n'est pas venu tenter Jésus d'une manière ultra méga grossière. J'imagine que c'était assez subtil pour que ça marche. <laughs> Jésus, quand même, était tenté. Sinon, c'est trop facile. Donc, il y a eu tentation. Mm -hmm. Et qu'est-ce que Jésus va faire À trois reprises, le Maître lui-même, le Seigneur des Seigneurs, notre Créateur, va dire <laughs> Il est écrit. Ouais. Il est écrit. Il est écrit. Là encore, Jésus, avec le Saint-Esprit, euh, a répondu par la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui a permis de prendre la bonne décision. Donc, mon point, c'est celui-ci plus la parole de Dieu est en nous, plus la décision nous paraîtra évidente. Mmh. Et euh, le deuxième point, c'est trouve, on, on trouve en fait dans notre cœur des chemins tout tracés quand on aime Dieu et quand on se confie en Dieu. Mmh. On, et, et si on n'a pas une bonne relation avec le Seigneur, on n'aura pas de chemin tout tracé. Mais il y a cette promesse qui dit, psaume 84, 6, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » C'est-à-dire, je me concentre sur ma relation avec Dieu, je l'aime, je me confie en Lui, je m'appuie sur Lui, et des chemins tout tracés vont naître. Un matin, je me réveille et je sais. J'ai une intuition, une inspiration, une conviction. Les chemins sont tout tracés, donc... Il n'a pas essayé de se torturer. Je me confie en lui et voilà, ce dont parlait la sagesse de Dieu. Mm -hmm. Troisième point, on peut se tromper, mais il faut faire confiance à Dieu pour nous arrêter si on se trompe. D'ailleurs, c'est Jonathan qui me donnait ce conseil un jour dans mon bureau. Euh, sinon, certaines personnes ne commenceront jamais rien. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y, y a un ami pasteur qui dit euh, les chrétiens, ils attendent, ils attendent toujours le feu vert, mm -hmm. mais il est temps que les chrétiens aussi attendent le feu rouge. Mmh. Et là, on voit ce merveilleux exemple. On commence et. De... et ensuite... Voilà, si parce que sinon, Dieu on n'entreprend rien. Mmh. Voilà, l'apôtre Paul en Asie, je vais lire le passage, c'est tellement intéressant, acte 16, 6. Ayant été empêché, le grand apôtre Paul, euh, qui a été ravi en extase et tout ça, se permettait des moments où. Franchement, il faisait ce qui semblait être bon et puis il pensait que c'était bon, mais en fait, c'était pas ce que Dieu voulait. Mais il était prêt à y aller. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Fidji et le pays de Galatie, arrivés. De la Missie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'esprit de Jésus ne leur permit pas. Mmh. Témoignage intérieur, parole dans son cœur, prophétie de quelqu'un, une personne qui l'arrête et lui dit quelque chose, je ne sais pas, mais une chose est sûre, c'est que le Saint-Esprit a mmh. arrêté Paul. Et il faut croire que Dieu est capable de nous arrêter. Quatrième mmh. point, faire confiance à Dieu qui ouvre les portes. Jésus a dit, je mettrai une porte devant toi, une porte ouverte que personne ne refermera. Oui, Dieu peut ouvrir les portes. Il faut attendre aussi les opportunités divines mmh. qui peuvent venir. Mmh. Et il fait concourir toutes choses à notre bien. Et cinquième point, Dieu nous a donné un cerveau pour qu'on l'utilise. <laughs> et les chrétiens, souvent, on est, est trop bon ne, -ne, ne, -ne on, on croit que Dieu va tout <laughs> faire pour nous. Mais il nous a donné une intelligence. Et j'aime ce passage, Genèse 2, 19, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Mm -hmm. hein et Dieu était intéressé. Et des fois, Dieu veut juste voir comment on va faire les choses. Mm -hmm. Il se plaît à ça. Merci! Oui. <laughs> réponse Attends. super complète, comme ouais. à ton habitude, chérie. Merci beaucoup. Très, très bonne réponse. Si vous avez d'autres questions que vous vous posez, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteurjainquestion.com. Nous continuons maintenant avec la rubrique Culture et Médias. Donc, Nadine, on l'a dit en début d'émission, tu nous parles donc d'une boxe chrétienne, mais c'est plus qu'une boxe, il y a du suspense. Il, du il est temps suspense. que le suspense tombe. Yes, nous arrivons. À la découverte de ce que je parlais en début d'émission, on a Tatiana et euh, Sylvain ici qui vont nous parler de la boxe chrétienne, une boxe à thématique. Mmh. Et juste avant de commencer, on a une vidéo qu'on va regarder. Mais juste avant, j'aimerais juste que vous vous présenter à la francophonie. Mmh. Ils apprennent à vous connaître. Eh bien, Tatiana, <laughs> Tatiana <à> Sylvain. Alors <laughs> qui est Tatiana et Sylvain. <laughs> <à> Sylvain. Voilà. <laughs> Donc euh, voilà, on vient de la région parisienne. Marié depuis sept ans. Euh, on a euh, deux euh, enfants, ouais. Manon et Joshua. Et, et puis on a créé cette, euh, cette, cette box. C'est ça. Et c'est quoi une box en fait Alors, une box, c'est une. Ah, ça vient de l'anglais, c'est une boîte. Alors, ça veut dire boîte. <laughs> Alors, si, Jonathan. Attends... <laughs> c'est une boîte euh, thématique mm -hmm. et trimestrielle dans laquelle on retrouve des produits de mode, de papeterie, lifestyle. Et euh, tout ça, tous ces produits, ce sont des produits créés exclusivement par des chrétiens, des créateurs mm -hmm. chrétiens. Cool. Et du coup, euh, dans la boxe, il y a aussi des enseignements, et des enseignements qui sont donnés par euh, des ministères, des artistes qui sont euh, aussi chrétiens. Voilà, et, et tout ça, c'est lié sur un thème à chaque fois, mm -hmm. donc les enseignements qui sont donnés sont liés vraiment euh, euh, voilà, à, à un thème précis euh, qu'on qu lance en fait tous les trimestres. D'accord, voilà. et donc à l'intérieur de la box, il, il, euh, il y a des petites choses à l'intérieur, oui, on peut juste l'ouvrir rapidement Oui, on peut vous montrer rapidement. La, 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 donc, la, doc, la thématique, c'était famille. Voilà, c'est la box qui est en cours actuellement, donc c'est famille. Mm -hmm. À l'intérieur, vous allez retrouver par exemple cette, ce qu'on appelle une first, donc c'est une carte en fait, qui va amorcer la thématique. Mm -hmm. Donc là, c'est rien que de plus précieux que la famille. Mm -hmm. Mm -hmm. Et des enseignements, du coup, il y a des pasteurs qui interviennent, okay, qui bien viennent bien. en fait donner ce, ce, ce contenu spirituel. Mm -hmm. Et ensuite, nous, on va s'amuser. <laughs> et on va créer voilà, des outils pour euh, très pragmatique uh -huh. aussi pour que chacun puisse en fait, se retrouver. Et euh, on va faire un tenir des créateurs chrétiens. Donc là, par exemple, on a un cadeau pour elle, mm -hmm. un cadeau pour. On ne dit pas ce que c'est. Voilà, ah. pour lui. Mm -hmm. Et aussi, aussi, du coup, un cadeau pour tous. Oh. Donc, voilà. Oh. Et euh, en fait, ça vient rejoindre en fait, la thématique de la. Selon de la de thématique la boxe de. Voilà. D'accord. Et vous avez une petite, on a une petite vidéo justement ouais. qui va expliquer un petit peu c'est quoi, euh, dans toute son entièreté, la Box Multitude. On va l'écouter yes. tout de suite. Très belle vidéo qui explique. Et euh, en début d'émission, j'ai dit que cette box c'est plus que ce qu'elle ne paraît, ouais. parce que c'est plus que juste d'avoir euh, des petits cadeaux. Il y a tout un volet missionnaire et oui. évangélique dans la box. Oui, effectivement. En fait, euh, il faut savoir que tous euh, les bénéfices qui sont retirés de cette box, donc euh, tout achat qui est effectué, est reversé en fait à la mission, parce que c'est aussi le cœur de, de notre projet hein, de multitude, c'est de pouvoir soutenir les œuvres missionnaires. Donc, il y a tout un volet donc, créatif parce qu'on fait une collaboration avec beaucoup d'entrepreneurs. Hein. Ce n'est pas juste multitude. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, qui interviennent, chrétiens. Et on leur donne en fait, une certaine visibilité parce qu'on croit en la créativité chrétienne. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment un, un, un axe. Un, un un, axe. Voilà, même, et l'axe... Et et l'axe le, et le, 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 majoritaire, le, le, voilà, c'est de euh, soutenir les œuvres le Et là, actuellement, on soutient une œuvre qui s'appelle One Love ouais. au Congo Kinshasa, mm -hmm. qui a pour but d'aider et d'aimer les enfants des rues. Voilà, les gay Donc, en fait, ils offrent un toit, ils font des activités, ils apprennent aussi. Il y a l'éducation. bien, évidemment, il y a de 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 mmh. euh, et bien, bien un aspect pastoral aussi, mmh. puisqu'ils les amènent à la foi, en parlant voilà de, de tout ce que, que Dieu peut faire. Et, et nous, on est voilà, on est là aussi pour, pour les soutenir. Et c'est vraiment le cœur de la vision. Euh, voilà. Donc, quand quelqu'un achète une box, ils bénissent en fait aussi euh, la mission. Amen. Parce que ça, c'est vraiment, c'est ouais. quand même un, un gros, un gros de cette box là, de dire que c'est pas juste pour moi-même Exactement. C'est qu'au-delà ouais. de moi, cette box là, elle non seulement. Elle soutient les les, les, toutes ces personnes chrétiennes qui ont des, des, des entreprises des produits, comme ça, de, voilà. des produits. Mais en plus de ça, en plus de que je bénéficie moi qui, a, qui commande la boxe, derrière moi, il y a toutes des enfants, toute une génération Exactement. qui est touchée par euh, les bénéfices de cette boxe-là. Et aussi il y a un aspect évangélisation aussi dans votre boxe. Exactement. Ah bah oui, en fait, euh, cette box-là, euh, tout l'intérêt, c'est de pouvoir la partager à des personnes qui connaissent pas Christ. Mmh. Et en fait, comme c'est un cadeau, eh ben, ça passe beaucoup mieux qu'un discours persuasif. Voilà. Ouais. C'est pour aussi donner des outils euh, qui soient adaptés au langage. Donc, on essaye de la faire moderne, on essaye mmh. de, la, de la faire dans un, dans un cadre qui puisse être vraiment offert, mmh. que les chrétiens n'aient pas honte non plus mmh. de, de dire, voilà, j'ai un outil, mais que ce soit joli, mmh. euh, plaisant et puis euh, bah, concret, quoi. Voilà, surtout, donc ça leur permet aussi que que de, de partager leur foi. C'est important aujourd'hui que les gens qui ne mmh. connaissent pas Christ aient leur moment à eux voilà. pour découvrir mmh. la foi chrétienne. Mmh. Et ça ne se passe pas forcément par un dialogue, mais, mais aussi ça se passe dans l'intimité du foyer. Mmh. Et mmh. de découvrir quelque chose et de se laisser nourrir par ça. Exactement, au moment, moment où personnel. on le décide. Oui. C'est-à-dire qu'on pourrait ouvrir notre box une semaine après l'avoir reçu, mmh. en tout cas la personne qui n'est pas chrétienne, mmh. et de découvrir au moment où on l'a décidé. De, voilà, de, de, de faire cette rencontre-là. Amen, amen. Oui. Et dans votre box, en fait, ce qui est, ce qui est merveilleux, j'ai dit que c'est plus que ce qui me paraît, <laughs> c'est que aussi vous avez dit que vous avez aussi un, le, un but aussi pour les chrétiens, parce qu'on a parlé de non-chrétiens, mais les chrétiens aussi, Exactement. pour qu'ils soient initiés aux, aux clés du royaume. Exactement, effectivement. Donc c'est des box thématiques, et euh, en fait, avec ces thématiques-là, on fait vraiment appel à des, des, des ministères, hein, mm -hmm. euh, parce que bon, ben, on, on a le cœur, mais les ministères sont vraiment là aussi pour enseigner, donc on fait appel à des enseignants qui vont euh, développer la thématique et vraiment apporter les valeurs du royaume et, euh, et, et aussi du coup enseigner les chrétiens finalement euh, en regardant leur petite lettre thématique à se dire ok qu'est-ce que la famille aujourd'hui mm -hmm. dans le cœur de Dieu parce mm -hmm. que la famille, bon exemple mm -hmm. aujourd'hui dans le monde on ne sait plus ce mm -hmm. que c'est la famille voilà. donc voilà. c'est bien de revenir aux bases bibliques et aussi de, voilà, de, ouais. de vivre ce moment-là dans cette boxe-là, mm -hmm. c'est pour ça qu'on l'appelait multitude, ouais. c'est aussi pour ces raisons-là les axes euh, diffèrent dans tous les sens et, et c'est euh, voilà, pour cette raison-là aussi qu'on euh, ça. Et donc si on va sur votre site internet qui est alors, la multitude.com mm -hmm. ou la D'accord. Voilà. On peut commander ça de façon trimestrielle. Exactement. Ça. Ou euh, on peut en acheter aussi un... juste une boîte Oui, c'est ça. Exactement. On peut... okay. En fait, c'est des one-shot. On n'est pas mal. encore par abonnement. Donc, c'est pas un bientôt. abonnement. Ça va, ça, ça va Donc, venir. Euh, voilà. En fonction du thème, euh, je veux dire, moi, je veux, par exemple, celui sur la famille, le je ne Enfin pas le suivant. Enfin, voilà, Exactement. Fait... Ouais. D'accord. Très libre, boutique. voilà. C'est ouais. ça. Donc, on nous regarde d'un peu partout, là. On peut recevoir cette boîte dans n'importe quel pays Effectivement. On est en train de développer, en fait, l'axe. Donc, oui, on serait ravis de pouvoir… Voilà, la distribuons en francophonie. Et c'est quoi les prochains projets ou les prochaines thématiques, si vous voulez savoir Alors, du coup, euh, là, on va continuer en fait, fait <laughs> sur, euh, sur la lignée de, de ce qu'on a travaillé aujourd'hui mm -hmm. développer les partenariats et les collaborations, même en francophonie. Du mm -hmm. coup, amis, cré euh, créateurs et entreprises, vous êtes oui, les bienvenus. Vrai. Et la prochaine thématique, c'est First Start. Fresh. Donc, first ça first va parler du. Des... nouveau départ. Exact. Oh, bravo. Exactement. Le Le C'est et... français de Paris. <laughs> c'est un petit peu moi. <laughs> Et au commencement pour la rentrée. Amen, voilà. Amen. Amen. Ouais, ouais. Vraiment, soyez bénis. C'est un Merci. projet, euh, pas un projet, mais vrai, c'est vraiment une boxe qui, qui est bénissante, <laughs> ouais. qui a plus de volets que juste la boxe pour moi-même, ouais. mais aussi pour les amis non-chrétiens. a le volet missionnaire qui est tellement important. Ouais. Ces enfants de la rue sont Exactement. des enfants oubliés. Exactement. Et de dire que vous, vous êtes, vous, vous mettez en partenariat avec. Des, des structures qui aident ces enfants-là, le côté évangélisation. En tout cas, il y a tellement de choses à dire sur cette box. Mais le temps est terminé. Mais vraiment, merci, merci. Merci, merci à vous. c'est un honneur. Ouais. Merci. Ouais, ça, merci. Il, y a, il y a beaucoup de choses dans cette boîte. Hein. Ouais. Ouais. Il y a pas comme ça, c'est une petite boîte avec beaucoup de choses. J'ai l'impression que c'est une boîte qui sort de la boîte. <laughs> tu l'avais gardée pour la fin <laughs> Une fois, j'ai commandé une de leurs boîtes, j'ai ouvert et j'avais un iPhone XS. N'importe quoi Apple est en train éventuellement il y aurait peut-être des créateurs de coques de téléphone chrétiens ah, qui oui, pourraient bah, ça, euh, ça serait euh, hein exactement ah, et ça rentre vraiment ça. Dans, le, dans le cadre vous le disiez s'il y a des artistes chrétiens et justement, justement ouais. ils peuvent vous contacter sur le site internet oui, le site il y a moyen internet. de vous contacter parce ouais. que ouais. je pense qu'il oui. y, y a des créateurs chrétiens qui pourraient être intéressés à travailler en collaboration ouais. avec vous ouais, ouais. Oui, ça 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 bravo à vous en tout merci cas beaucoup. félicitations pour, pour ce beau travail vraiment. vous avez pris la bonne décision en effet merci beaucoup on voit qu'il y a plein de belles choses qui se passent dans, dans le corps de christ oui. Puis c'est aussi notre privilège à nous, dans Bonjour chez vous, de oui. pouvoir vous faire connaître à vous, chers téléspectateurs, ce qu'il y a de bien dans la francophonie. C'est pas juste les anglophones qui ont tout un tas de choses. Des fois, oui. on commande tout un tas de trucs en anglophones parce qu'on n'en trouve pas en français. Mais il y a des belles choses, euh, des belles œuvres qu'il faut encourager. Et je vous encourage à, à aller, et puis être curieux, puis à commander une box pour voir justement euh, ce qu'il y a à l'intérieur. Puis pourquoi pas offrir des cadeaux aussi. Oui. Je trouve que c'est une Exactement. très bonne idée de, de cadeau à offrir. Et euh, je vous rappelle donc le thème principal de notre émission, vous avez le choix de prendre les décisions, les bonnes <laughs> décisions en particulier. En fait, j'ai envie de dire, vous n'avez pas le choix, vous devez prendre oui. les bonnes <laughs> décisions. On <laughs> va refaire le thème de cette émission parce qu'en réalité, nous devons prendre les bonnes décisions, nous devons marcher dans la sanctification. Et je crois que certains d'entre vous doivent aussi peut-être couper certaines relations. Il y a des décisions qui sont évidentes et si cette émission vous a travaillé, eh bien peut-être que vous allez devoir prendre des décisions dans votre... Vie pour euh, ramener de l'ordre dans votre vie et couper peut-être certaines, euh, certaines relations qui vous éloignent de la sanctification. Et donc, nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera Renoncer à sa vie pour suivre Jésus. Et oui, il y a un certain renoncement à faire, voire un renoncement total. On en parlera demain. Et nous aurons le témoignage de Anne Catarouza euh, dans la rubrique C'est mon histoire. Si vous vous souvenez, c'est cette auteure chrétienne qui a écrit. De très bons livres chrétiens que d'ailleurs nous vous recommandons de vous procurer. Et elle sera donc dans la rubrique C'est mon histoire pour partager son témoignage d'actrice. Elle est devenue auteur, vous verrez comment ça s'est passé. Allez, merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous. Notre campagne de dons continue. Vous pouvez dès maintenant devenir partenaire pour seulement 35 euros par mois pour cette belle œuvre qu'est EMCI TV. Dieu vous voit et n'oublie pas votre générosité. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com slash 8000.